Je suis très très heureux de m'adresser aujourd'hui aux collaborateurs de Talent. En effet, je crois que Talent a de l'ambition et c'est important d'appartenir à une entreprise qui a de l'ambition. Talent veut devenir une entreprise plus importante. Cela demande de la part de tous d'abord une stratégie claire pour l'entreprise et je crois qu'elle l'a. Ensuite, cela demande de vous, les collaborateurs de l'entreprise, une action qui est celle qu'attendent vos clients. Ce sont vos clients qui sauront vous faire grandir. Si vous savez être des créatifs, si vous savez être fiable, si vous savez écouter les clients, à ce moment-là, je suis pour ma part convaincu que Talent va pouvoir grandir et remplir ainsi l'ambition qu'il a et que je trouve parfaitement légitime. L'aventure Talent pour moi n'est pas une aventure nouvelle, puisque cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que j'accompagne Mehdi et ses acolytes. J'espère, en ayant rejoint ce COS, comme on dit, pouvoir mettre au bénéfice de l'entreprise Talent l'expérience qui est la mienne dans la conduite de la transformation d'entreprise. Je crois que c'est un besoin maintenant de toutes les grandes entreprises, en France, en Europe et dans le monde, et que Talent a un certain nombre d'expertises très spécifiques qui doivent permettre aux entreprises, à ses clients de s'adapter. J'ai eu l'occasion de mettre Talent au cours des dernières semaines ou derniers mois en contact avec quelques grands comptes français et je suis très curieux de voir comment les projets vont pouvoir se développer. Je vois en Talent une entreprise qui peut accompagner la mutation vers le numérique, ce qui est évidemment une des grandes problématiques actuelles des entreprises françaises, ainsi que Talent permettre aux entreprises de révéler tout le potentiel d'innovation qu'elles ont en leur sein, puisqu'il n'y aura pas de succès en entreprise sans innovation forte. Et ça, c'est une conviction que j'ai chevillée au cœur. J'espère que les années qui viennent vont permettre à Talent de conquérir encore plus de territoires, encore plus de nouveaux clients et s'inscrire durablement comme l'un des acteurs majeurs du changement en France. Le choc du numérique est devant nous. Il y a urgence numérique, urgence à la transformation, urgence à la transformation agile. Et donc, il y a urgence à avoir Talent dans le moteur. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous, au milieu de Talent et de tous ceux qui font vivre cette formidable aventure humaine. Talent sont des hommes, des femmes, qui ont décidé depuis longtemps d'assurer finalement le changement, de le vivre et de le faire vivre aux autres. Le changement, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord, dans la déferlante technologique mondiale, des innovations partout qui transforment à toute vitesse les modèles économiques des entreprises auprès de quels Talent se destine à travailler. Et c'est évidemment des positionnements stratégiques nouveaux. Talent est au cœur de ses choix, l'affirme. C'est une ETI qui a pour ambition de croître, de grandir et d'embellir. Je suis venu chez Talent pour y contribuer modestement, avec l'expérience qui est la mienne, la connaissance des filières industrielles en plein bouleversement. Je mets au service de cette entreprise et de son président Mehdi Ouass, que j'affectionne particulièrement, tout ce que je peux apporter comme d'autres et au milieu d'autres. Et je veux dire à Talent, félicitations, bravo. De l'ambition est toujours nécessaire pour avancer le plus vite possible. Oscar Wilde a un jour lâché une phrase assez intéressante que nous pourrions méditer tous ensemble. Faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles afin qu'il en reste toujours quelque chose.